Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, c'était la dernière fois le Wangfu de Company of Heroes 2, le théâtre de guerre. Et après avoir fait l'opération Barbarossa, après avoir terminé l'opération Préambule, nous allons nous attaquer à Victoire à Stalingrad. Durant l'automne et l'hiver 1942, l'armée rouge refuse d'abandonner Stalingrad. Vers la fin de l'hiver, elle lance les opérations Uranus et Petite Saturne qui lui permettront de frapper les flancs d'exploser les Allemands. Donc en gros, ici vous avez un descriptif de quand a eu lieu l'opération, hein. À chaque fois en laissant surbrillance. Donc voilà, le scénario en coop, c'est par là que nous terminerons ou pas. Ça dépendra si je fais les deux vidéos d'un coup ou pas. Et nous allons tout de suite commencer par Aérodrome de Talskinser. La vidéo fera peut-être 40 minutes, donc je m'en excuse tout de suite. Donc, Aérodrome Talskinskaya, Russie, URSS, 24 décembre 1942. L'opération Petite Saturne est en cours pour écraser les forces allemandes encerclées qui restent à Stalingrad. Mais l'appui aérien de la Luftwaffe permet à la 6ème armée, allemande pris au piège, de rester bien approvisionnée. Le 24ème corps de chars de l'armée rouge s'enfonce en territoire ennemi. Il doit prendre l'aérodrome allemand de Talskinskaya et détruire les appareils qui s'y trouvent. Donc vos forces composent principalement... Je peux créer aucune unité, donc j'ai les troupes qui me donnent, donc à les préserver. Dès que j'ai détruit un avion, je gagne des munitions. Et dès que je sécurise d'autres dépôts de carburant, j'obtiens d'autres véhicules. Plusieurs choses à savoir. La première, c'est qu'ils ont deux pièces d'artillerie qu'il faudra rapidement détruire. Ils ont aussi deux packs 43 en plein milieu de l'aérodrome. À faire attention étant donné qu'ils peuvent facilement détruire vos blindés même les plus hauts. Donc vraiment à faire attention à ça. Et surtout préserver les unités d'infanterie, notamment du génie. C'est très important. Parce que si vous les perdez, plutôt si je les perds dans ce cas, vous aurez un problème avec vos chars. Comment les réparer? Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vraiment les préserver. Parce que c'est vraiment un peu quoi, c'est sans eux vous pouvez pas gagner cette mission. Et pour terminer, évitez de perdre un char. Voilà, c'est vraiment quelque chose de bête que je dis. Autant vos chars légers, si vous les perdez, c'est pas trop gênant. Autant si vous perdez des chars lourds, la mission viendra tout de suite un peu plus compliquée, notamment si vous perdez tous vos chars lourds dès le début. Vous comprendrez très vite ce que je veux dire en y jouant. Donc voilà, je préfère mettre en fait tout ça au clair tout de suite. Parce que je vais vraiment être très prudent avec mes chars, je vais vraiment passer beaucoup de temps à les réparer. Hein. La prudence exige. Hein. Mais je vous rappelle qu'au niveau 1, vos chars peuvent capturer les points. L'armée fasciste est piégée à Stalingrad depuis un mois, commandant. Mais l'appui aérien allemand a permis l'approvisionnement des troupes. Ce soir, c'est terminé. Vous allez conduire vos forces blindées jusqu'à l'aérodrome allemand de Talskinskaya pour détruire leurs avions. La victoire à Stalingrad dépend de vos efforts, camarades. Sur l'aérodrome. Détruisez tous les avions qui sont toujours au sol. Les obusiers visent votre position. Trouvez-les et détruisez-les.
fusil est détruit. Trouvez et neutralisez l'autre. Des dépôts de carburant au nord et au sud de l'aérodrome. Vous pouvez consolider vos forces en les sécurisant, camarades.
chars supplémentaires pour soutenir vos forces. Char lourd KV1, prêt. Excellent. Continuez de détruire tous ces avions. Camarade, ordre de déplacement reçu. KV1 en attente.
Excellent. Les deux dépôts de carburant ont été capturés. Vous pouvez appeler un autre véhicule. Un char lourd KV-1 est sur le terrain. Ici KV-1, destination confirmée. T-34 prêt ? Char léger prêt ? Oui. Attends, camarade. KV-1 prêt. Ici KV-1, on se déplace. Oui, camarade. Char KV-1 prêt à se déployer, camarade. Pilote.
neutraliser tous les avions qui sont toujours au sol. Excusez-moi. Du coup, mon micro pour éviter que vous m'entendiez éternuer dans le micro, c'est. Voilà. Bon, monter de 70, bon, ils ont servi à rien. Je le dis clairement, ils n'ont pas fait le boulot que j'escomptais. Mais bon. Je finis de réparer mes chars. Voilà. C'est pas totalement réparé, donc c'est pas un problème. Au T110, je vais envoyer les gars, ils ne serviront plus à rien. Bon, bon point, KV8 a réussi en fait à tuer les hommes là avant qu'ils me tuent un seul homme du génie. Enfin, avant qu'ils me tirent un seul tir sur mes KV8, sur mon KV8, donc ça m'a arrangé. Le deuxième, bon, mes T110 ont mis du temps à partir. Avec 4, normalement, vous pouvez facilement le tuer, mais bon, j'arrive pas à viser, donc voilà. Bon, vraiment faire gaffe à ce. Vraiment faire gaffe parce qu'il peut facilement dégommer vos unités. Ça, c'est affreux. Quand vous perdez, vous perdez l'unité à cause d'un seul canon. Et maintenant, vous voyez, T110. Si vous avez vos 4 T110 en attaquant là, techniquement, le PAC-43 va surtout se concentrer dessus, notamment le Stug E aussi à droite. Vos KV1 ici, en ligne droite. Votre KV8 ici, en avec 2 T34 en support pour s'occuper des chars qui l'attaqueraient. C'est vraiment bête cette idée de le fait de voir que de supporter le collet par 2T34, mais ça vous permet comment dire, vous évitez qu'il soit détruit en fait facilement. J'aimerais que tu recules en fait. Ouais. J'aurais peut-être dû préciser que vous allez reculer. Voilà, maintenant on détruit cette unité là. Voilà. Tous les avions au sol ont été détruits. Bien joué. Ce canon anti-char. Que des hommes utilisent ce canon anti-char. Plus vite. Les unités ennemies se dirigent vers votre position pour reprendre. Mettre trop de temps à le prendre, problème. Vous devez tenir face à la contre-attaque, camarade. KV1 en attente. Voyez comment. Voilà. Et je récupère ce pack 43. Voilà. J'attends un contre-attaque. Mais... ça c'est pas un contre-attaque. Ça c'est un mensonge. Vous allez comprendre pourquoi je me suis bien positionné. Et surtout que PAC 43 va vous être très utile. Mais je pense déjà que vous avez compris pourquoi j'ai fait ça. Bon, en fait, c'est des vagues qui arrivent. Normalement, il doit avoir 3 vagues de mémoire. Je sais plus si c'est 3 ou 2. J'espère que ça n'a pas bugué comme... Ah bah voilà.
Il a changé de côté, bon. Son point de spawn est aléatoire, on sait jamais où il spawn. Voilà, c'est pour lui en fait, j'ai pas que 43. Bon, pas... D'habitude moi il spawn en haut, donc c'est pour ça que je suis mis en E. Et prenez... Voilà. Vous pouvez péter armement ennemi, bon sinon ça fait pas quand les chars sont trop lourds, hein, c'est une probabilité à chaque fois. A l'époque ils ont sorti des DLC, c'était à tous les coups je vous infligeais des dégâts psychiques, maintenant c'est pas forcément le cas. Par contre, quand vous êtes prenez votre T-34 vers son canon et son moteur. Bah, équipage stocké, voilà. Ça, c'est habituel. Donc, apparemment, on peut dégommer que son moteur. Et avec Pack 43, ils ont aussi nerfé sa portée pour cette mission. Bah, je précise, c'est pour cette mission. Que sinon, c'est pas viable du tout. Donc, je vous rassure, Pack 43 a une portée largement supérieure. On pénètre pas là, de dos. Ah bah si, voilà. Je vais juste demander. Ah bah non. En fait, vous demandez un char déprôné. Et puis voilà. Si vous aussi placez-le à côté de votre pack 43, ça ira beaucoup plus vite. Parce qu'il pénètre très, très facilement le tigre. Le raid soviétique sur l'aérodrome de Tatsinskaya fait perdre à la Luftwaffe plus de 70 avions et coupe les lignes de ravitaillement de la 6ème armée. De nombreux hommes engagés dans le raid y perdent la vie. Mais leur action va permettre enfin de libérer la ville de Stalingrad des Allemands. Ouais, j'espère qu'en tout cas, passe un agréable moment en ma compagnie, que c'est là où nous arrêtons pour cette mission. Alors, en tout cas, j'espère que j'espère que vous porterez bien d'ici la prochaine fois. D'ici là, j'espère que... D'ici la prochaine fois, en tout cas, j'espère que vous laisserez des petits commentaires sur mes vidéos, parce que ça fait toujours plaisir d'y répondre et de voir vos réactions. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à une prochaine fois. Donc, à ciao tout le monde !